Food Styler Ligue des abonnés, épisode 2 avec le classement. Voilà, ça continue. Et ce mois-ci, le défi c'était de faire du freestyle. Comment? Bonne question. Alors, je vois que vous êtes très au courant, les gars. C'était non, les yeux bandés. C'est pas vrai, c'est parce qu'il y a une longue pause pendant la Ligue des abonnés. Voilà. Le gestionnaire de la Ligue des abonnés était en vacances. Okay. Il était au Maroc, c'est pour ça. Ça va. Et ouais, donc là, c'est le classement qui continue. Donc, le mois dernier, on a eu voilà, les vainqueurs dans chaque catégorie. Et là, ça continue. Donc, il y a le vainqueur du mois et il y a le classement qui évolue. Encore une fois, je vous rappelle, le vainqueur, on lui paye aussi le voyage pour aller nous encourager à Prague au championnat du monde. Donc voilà, ça va être cool, l'occasion de passer une semaine avec nous et de nous encourager si vous nous supportez, ou alors d'aller encourager S3 ou OAS. Comme vous voulez, on paye le billet, vous faites ce que vous voulez après, il n'y a pas de problème. Et comme d'habitude, on va commencer avec les espoirs. Les juniors. Les espoirs. Et on commence avec Antonin. Oh. Ça commence dynamique, la bulle de Red Bull. Son cri ressemblait à un cri d'oiseau. Ah, j'ai vu. Le doublage est très bien fait. Et on enchaîne avec Greg. Voilà, Greg. Ah, Greg. La technique de la main. Ouais, la main, mais qui est comme ça. Ok, pas mal. Alors celle-là, elle est abusée. Elle est ouf, hein. Hugo. Ouais. Elle est vraiment, Hugo, vraiment ouf. T'es un boss. Hugo. T'es pas tout seul. On t'a vu. Oh, Hugo, tout seul. Ok. Oh, il a mis un sac. Ah mais oui. Alors ça c'est un hommage à Mathieu, parce que Mathieu il arrêtait pas le mois dernier de dire à tout le monde de mettre leur sac sur la tête. On enchaîne avec Romain, voilà, donc vous voyez à droite de l'écran. Oh, très beau design. Voilà, bravo Mathieu. C'est moi. Ah bon. Ouais. Gossier. Romain donc tenant du titre, pour l'instant il a la première place du classement. Mais là il a les yeux ouverts. Enfin il voit tout. Ouais, là il a les yeux ouverts, mais après il se cache les yeux. Ah. Avec le manteau qui pend. Ah, disons qu'il a fait le taf. Il fait elle taf même. Ouais. Disons qu'il a fait le taf, mais voilà la consigne. On va voir, on vous dira sur la fin. Pour l'instant, c'est lui qui est premier, genre. On enchaîne avec Thibaut. Thibaut in shape. Thibaut, mon fils. Faut que tu trouves un jeu de mots, Clem, sinon tu perds. C'est stylé ce qu'il fait, Thibaut. Ouais, il a un bon enchaînement. Et vous inquiétez pas, là on a l'air de le regarder à la légère, mais en vrai on réanalyse tous les clips après une deuxième fois pour faire un bandana. En tout cas, il y a une belle diversité de, de cache-œil. Là, il met, j'ai les yeux bandés, il précise. Timothéo, il s'appelle. Stylé. C'est pas vrai, j'étais entre l'appeler Timothée ou Théo, du coup il l'aurait appelé Timothéo. V freestyle. C'est dangereux de faire ça dans la chambre avec une télé. Et les yeux bandés. Parce que les yeux bandés là. Ouais, mais en même temps, on dit ça, mais tous nos défis de zip-zap avec la télé à chaque fois. Mais c'est pas les yeux bandés. Oui, c'est vrai aussi. Bon. Voilà. Et là, il a les yeux débandés. Mais quand même, big up à V freestyle qui était présent lors de la Coupe de France en plus. Ah, c'est V freestyle en plus, je le connais. Ouais, ouais. Je l'ai rencontré en pleine chasse Pokémon Go à Nantes. Mais oui, bah, V freestyle, gros big up, voilà. Voilà les gars, c'était les espoirs. On vous donne les résultats en fin de vidéo. En tout cas, nous, on a été plutôt impressionnés, franchement. C'est vrai. Bonne maîtrise sur les bases. Moi, j'ai mon petit favori en tête. Je vous en dis pas plus tout de suite. On change de catégorie et on passe chez les Moses, Clave et Viti. Oh, Bonnie and Clyde. Qu'est-ce en mode street, Clave et Viti. Oh. J'ai pas vu qu'elles ont tapé quoi. Très belle célébration. Très belle célébration. Magnifique célébration, rien que pour ça, en tout cas, ça. On note la célébration. Hein. Faites-nous des célébrations de ouf, pour nous c'est important. C'est vrai. Constance qui est toujours constante, elle a la deuxième place. Oh. Très belle couronne. Ouais. Très beau foulard. Très beau balle. Ouais. Voilà. Oh. Et on enchaîne avec Béa, Béatrice. Oh. Yes, elle enchaîne bien. C'est Béatrice. Oh. Oh. Bon, moi on voit qu'elle a pas triché du coup. Ouais, c'est vrai. Et la reine. Oh. La reine Julie. Eh oui. En tout cas, les filles ont des meilleures célébrations que les garçons. Ouais, elles sont plus expressives. Manon supportrice de Rennes. Basket, foot. Et Panier. Il est. Et là, Véronica avec un W, elle est peut-être polonaise. Ah, c'est fort possible. Oh. Yes, le move de Samy. Oh. Yes. Stylé. Stylé. Et bah, ça fait plaisir. Bien joué, les Gonzesses. Stop. Putain, il y en a en plus.
a franchement du niveau encore ce mois-ci, ça fait plaisir à voir. On a reçu beaucoup de vidéos, donc on a trié un peu, on a gardé que le meilleur, la crème de la crème. Et voilà ce qu'on a retenu pour vous, et franchement vous avez déchiré, merci beaucoup, merci à vous. La catégorie senior, tout confondu. Senior, ils ont 18 ans. Bon voilà les seniors, la crème de la crème, les... On dirait Jordan. Ouais, et j'ai pensé à la même chose. C'est trop son spot en plus. Il a même volet vert. J'avoue. On commence avec Jules, du coup, le sosie de Jordan. Ça commence par la même lettre. Oh. Je me demande si c'est une balle de tennis ou une pomme. Ou... Une balle de tennis, non. Puis même, il a une gestuelle jordanesque. Ouais. Oh, j'avoue. Le poison X. Oh, c'est trop Jordan. Oh. Yes. Propre. Oh, c'est dur la réception comme ça. On l'a vu avec la fille avant. Ah oui, il est choqué. Il en revient pas. C'est Alexandre, un de mes préférés aussi sur la Ligue des Abonnés. Il déchire tout. Aussi. Ouais. Pas que le maillot. Et franchement, il déchire. Oh, alors tout dommage. Ça pareil d'affilée. Il a fait son combo, il a tourné la caméra et là, regardez, il y a une cible dans le fond. Oh, d'affilée. Oh, d'accord. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, d'affilée, c'est ouf. Alexandre. Ah ouais, il déchire tout, Alexandre. Regardez ça, c'est et il y a sa cible dans son garage et t'as vu, il tire en no look en fait. Donc pour moi, il a respecté la consigne. Je vais juste me justifier deux secondes pour pourquoi j'ai enlevé le bandeau sur mes yeux. Donc en fait, j'ai enlevé le bandeau parce que devant moi, il y avait un mur et j'avais pas trop envie de tomber. N'hésitez pas à me faire de la pub pour ma chaîne YouTube. Alex, foot des skills. Big up à toi Alex. Bon, on a vu sur le screenshot qu'il avait 57 abonnés. Ça serait bien qu'on le monte au moins à 1000 abonnés. Les gars, on compte sur vous. Et on enchaîne avec Benjam. Benji. Lui vraiment les yeux bandés. Ça c'est lui qui l'a mis. Bon, c'est pas le geste le plus difficile, les yeux bandés. Oh, oh. Tout ça d'une traite. Oh, c'est pas mal. Et là, les gars. C'est lui que j'avais vu sur Facebook. Il est... Big football. Big football, là, il a tout géré. En, à la récré en plus, non? Mais bon, là, il a pas les yeux bandés. Importance. Et là. Avec tout le monde en plus. La resta de la récré, la resta de voilà, c'est chaud. Putain, là, mais... je suis trop jaloux, je veux trop faire ça au collège. Trop rêvé de faire ça. C'est trop tard maintenant. Ah, merde. Gars, malheureusement. Et Kilias. Grand spécialiste du spinning, les yeux bandés. Vous qui nous a tout fait, il nous a fait vraiment salade tomate oignon, supplément fromage, sauce andalouse, sauce samouraï, il rajoute de la mayo, bien entendu pas de viande. En bon. Oh, il enchaîne, il est basket lui. Ouais, il a géré. Les gars, Rémi, vraiment rien. Voilà, un petit abasse les yeux bandés. C'est dur ça. Ouais, c'est subtil hein. Ouais, j'avoue en fait. Rémi, c'est subtil, on se rend pas compte, mais il fait quand même un abbas. Ça m'a fait rire. Shérif. Il s'excite sur son dab, un truc de ouf. Celebration. Look at my dab. Look at my dab. Bitch, damn. Look at my dab. Bitch. On a le roi, le tenant du titre, c'est Théo. Ah, Théo. Théo qui a géré ce mois-ci. Oh, j'en dis pas plus. Oh putain, je sens le panier. Ouais. Donc il enchaîne plusieurs choses avant quand même. Ouais, ouais. Il s'est pas dit je vais juste faire un panier. Si, il fait un panier. Et basket aussi. Wow. Et là. Il l'amène bien. Wow, chaud. Bravo. Pour réessayer plein de fois. Persévérance et passion. Exactement. Percez et vous verrez. Mais percez pas pour voir. Voilà, on a boycotté Enzo, mais il a géré aussi. Alors, vous nous avez fait kiffer ce mois-ci. Franchement, big up à vous. Merci encore une fois de passer du temps comme ça pour faire des clips aussi fous. Franchement, ça nous touche droit au cœur. Enfin, je sais pas vous, mais moi, en tout cas, ça me touche droit au cœur. Bref, on passe maintenant à la délibération. Chacun va donner son top 3 et on va donner les vainqueurs du mois qui, ce mois-ci, vont gagner. Pas un sac foot style. Ils vont gagner ce qu'il y a dans le sac. Catégorie, un t-shirt foot style. Oh yeah. Accompagné des deux bracelets foot style. Donc voilà, le nouveau dab. On va commencer avec les mentions espoir honorable. Non, bah il y a pas de mention honorable. Espoir, on a fait un top 3 directement. Et la troisième position, c'est V Freestyle. V Freestlar. Ah, V Freestlar, c'est vrai qu'il a fait un beau passage. Et la deuxième place, on a mis Hugo. Hugo qui avait mis deux bouteilles l'une sur l'autre et franchement on a été impressionnés, l'idée était vraiment cool. Et enfin celui qui gagne le t-shirt et les deux bracelets. Thibaut. Thibaut qui était in shape sur ce défi. C'est vrai. Et c'est Romain qui a la première place au classement général, le talonne de très près à 2 points Thibaut. Et enfin Hugo prend la troisième place de ce classement général junior.
Ok, voilà, maintenant c'est l'heure du classement des filles et on a une mention on aura pour cette catégorie. Il s'agit de Véronica, une polonaise peut-être. Donc voilà, mention honorable. C'était stylé. Donc à la troisième place, c'est l'une des seules, voire même la seule à avoir été sur chaque épisode avec Julie, je crois. Et c'est Constance. Elle fait preuve de constance, exactement. Elle est là, toujours au rendez-vous. Et elle prend les 4 points de la troisième place. Et à la deuxième place, on a un duo, on a Clav et Viti qui prennent chacune 4 points. Et en tout cas, à la première place, on a bien une seule personne et elle s'appelle Béatrice. Béa. Yes, franchement, elle a géré Béatrice, c'était du très très long. Ouais, j'avoue. Première place, bien méritée. Félicitations Béatrice. Tu prends tes 9 points aussi. Tu nous envoies par mail ton adresse, on va t'envoyer un t-shirt et des bracelets. Et au classement général, Julie conserve la tête face à Constance. Et Béatrice prend la troisième place grâce à sa victoire ce mois-ci. On voit donc l'importance de participer chaque mois pour obtenir des points. Ok, donc voilà pour les seniors, on a une mention honorable et elle revient à... Benjamin. Il nous a fait un magnifique Nori Clutch avec tout un enchaînement. Il avait fait couronne, Nori Clutch en partant de nuque, lance la balle à la main, re-Nori Clutch, c'était très très lourd. Troisième place qui revient du coup à... La troisième place, elle revient à Joachim Big Football. Et là je m'en souviens, parce que ça a marqué, c'était fait à la récré. Et donc c'était bien le shoot comme ça en arrière. Exactement. Et la deuxième place, on a, et on a beaucoup hésité, c'est... Théo. Et ouais, Théo qui a fait un gros passage avec un trick shot basket à l'aveugle. Le vainqueur du mois, c'est... Catégorie confondue, Alexandre. Alexandre bien géré. Chapeau Alex. Bravo Alexandre. Ouais, félicitations là. Il n'est pas premier parce qu'il avait la tenue footstyle. Non, non, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est parce que. Oh. Parce qu'il avait un ballon footstyle. Non, là, il avait pas de ballon footstyle. C'est... Petit point sur le classement général et ensuite on vous donne l'épreuve du mois suivant. À la première place, on a Théo. Alexandre en embuscade avec 11 points, il est bien revenu. Yes, il est qu'à 1 point de Théo. Et enfin, la troisième place, c'est Benjamin. On espère vous kiffer ce concept. En tout cas, n'oubliez pas, les vidéos, il faut les envoyer à l'adresse ligue des abonnés@gmail.com. Le lien est en description, les classements sont en description. Et enfin, pour le mois prochain, le défi qu'on va vous donner, c'est un défi trick shot. Voici une petite complice de nos meilleurs trick shots juste avant de se quitter. Ciao, allez, ciao, ciao. Vous avez jusqu'au 25 janvier pour nous envoyer votre vidéo trick shot. Inspirez-vous de nos meilleurs trick shots. Et pour ceux qui veulent plus d'explications sur le classement, retrouvez toutes les infos sur notre Instagram Club Footstyle qu'on a spécialement créé pour vous. On se dit à très bientôt sur une prochaine Ligue des Abonnés. Ciao, ciao!